Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bah non, en fait, c'est pas une nouvelle vidéo de la collection de Big Gigolo. C'est une vidéo un peu HS, un concept totalement inédit, vous allez voir, c'est magnifique. C'est un ami qui m'a conseillé de faire cette vidéo pour la postérité. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, il m'a dit de le faire parce que c'est un événement. Je vous présente un Club Drive sur Jaguar. Alors pourquoi ce jeu? Parce que, j'ai envie de dire, parce qu'il est neuf. Et en fait, ben, ce que je vais vous montrer, c'est un déblistage en règle d'un jeu rétro. Donc bon, j'y vois pas trop l'intérêt, mais je sais que Tetsuo Rétro, Tetsuo Shima, voulait que je fasse cette vidéo, donc je vais la faire. Je triche un petit peu parce que même s'il est blisté, vous voyez, le blister est pas non plus super état après hein, le jeu quand même. Il a 26 ans, donc c'est déjà bien qu'un bout de plastoc fin comme ça soit resté jusque-là. Donc on va l'ouvrir, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Hop. Hop. On va mettre un petit coup sur le dessus aussi, hein, soyons fous. Ouverture d'un Club Drive version US sur Jaguar. Vous voyez, la boîte est toujours là, elle est magnifique. On va essayer de ne pas l'agresser. On peut enlever ce cutter qui ne sert plus à rien. Et voici l'ouverture du Club Drive sur Jaguar avec sa notice en trois langues, magnifique, avec une belle griffure de Jaguar à l'arrière, voilà, beau langage allemand. Oh, tiens, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une petite fiche de registration. Ah, sympa, Free Game Cartridge. Mais oui, nous aussi, on veut des cartes gratuites. Je vais peut-être l'envoyer, tiens, pour le fun. Et du coup, dans cette cale, cette cartouche filmée, voilà, bon, ouais, si je peux l'ouvrir, hein, soyons fous, hein, tant qu'on est là, on va y aller doucement. Le bruit du scotch. Clac, c'est ouvert. Et la cartouche, la voici. Donc je sais pas si vous connaissez le jeu, mais je ne vous conseille pas d'y jouer. Hop, on remet un petit peu tout dans le coin. Voilà, petite vidéo donc rigolote pour ce 14 juillet. À la prochaine, ciao!